Jésus meurt à Jérusalem aux alentours de l'an 30. Vers l'an 50, Paul écrit à différentes communautés des lettres qui sont considérées comme les plus anciens documents du Nouveau Testament. Entre ces deux dates, nous sommes dans une période obscure. Et c'est seulement une ou deux générations plus tard, après 70, qu'apparaissent les quatre évangiles et les actes des apôtres. Il n'y a pas d'autres textes pour tenter de reconstituer ce qui se passe juste après la mort de jésus. ce que nous savons, c'est que jésus est crucifié. nous savons qu'il apparaît comme ressuscité à jérusalem. et nous savons qu'il laisse derrière lui toutes sortes de mouvements chrétiens. Euh, certains ont laissé des traces. À savoir si tous ont laissé des traces, on n'en sait rien. Le problème des lacunes, c'est que quand nous avons des lacunes, non seulement il nous manque une partie du gâteau, mais ça veut dire aussi qu'il nous manque une vue d'ensemble. Parce qu'évidemment, chaque fois que dans la reconstruction de l'histoire du christianisme primitif, de nouveaux éléments sont apparus ou de nouveaux documents sont apparus, il a fallu aux historiens repenser l'ensemble du tableau du christianisme primitif. À l'inverse de l'histoire contemporaine, l'histoire de l'Antiquité ne présente que des sources fragmentaires et d'innombrables lacunes. Il est impossible d'écrire un récit continu de l'histoire du christianisme primitif, comme nous le ferions pour l'histoire moderne. Nous ne pouvons éclairer que certains points au hasard de rares témoignages, mais la majorité demeure dans l'ombre. Les sources les plus anciennes sont bien sûr les plus importantes. Ce sont les sept épîtres authentiques de Paul. La première épître aux Thessaloniciens, écrite aux environs de l'an 50, l'épître aux Romains vers 56-57, suivie de l'épître aux Philippiens peut-être en 62, mais ceci est discuté. Ensuite, nous avons l'évangile selon Marc vers l'an 70. Nous ne saurons jamais assez remercier Luc de nous avoir offert à la fois un évangile et les actes des apôtres. Les évangiles sont la source essentielle concernant les paroles de Jésus, tandis que les actes des apôtres constitue une source incontournable qui nous permet de situer dans leur cadre chronologique les épîtres de l'apôtre Paul et d'autre part d'écrire l'histoire du christianisme primitif. De la mort de Jésus, de sa résurrection, jusqu'à ce que Paul soit emprisonné à Rome en 62. Seulement là où nous avons... Euh, un véritable problème, c'est que, on pourrait dire, l'historien des premières communautés chrétiennes, Luc, euh, pour des raisons diverses, s'est intéressé essentiellement au groupe de Jérusalem, qu'il a valorisé à l'excès, puisqu'on a tout à fait l'impression que, encore quelques semaines après la mort de Jésus, les disciples de Jésus sont là, tous réunis à Jérusalem. Et l'historien du christianisme primitif, Luc, si on peut appeler ainsi l'auteur des Actes des Apôtres, par commodité, disons, Luc, va s'attacher essentiellement à cette communauté de Jérusalem en montrant comment son premier acte, c'est-à-dire à la Pentecôte de l'an 30, profitant d'une grande fête de pèlerinage populaire dans le judaïsme, on va annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité à tous les gens qui sont là. Comment se, se fait-il que ces disciples du Nazaréen se retrouvent, eux, des Galiléens, qui sont des provinciaux, qui ne connaissent pratiquement rien de la capitale, dans lesquels ils ne se rendent que pour, de temps en temps, la Pâque Comment vont-ils venir se, euh, se jeter à nouveau dans la gueule du loup dans un milieu qui leur est hostile, c'est les gens du Temple, avec sa police et ainsi de suite, et qu'ils ils, ils reviennent à Jérusalem. Les premiers chrétiens vivant là et euh, vivant sans doute cachés pour vivre heureux, parce qu'il faut bien voir que le choix de venir à Jérusalem était un choix risqué et courageux de leur part. Euh, Risqués parce qu'ils étaient quand même les complices de quelqu'un qui avait été condamné à mort, et euh, courageux parce qu'ils euh, risquaient de connaître un sort euh, qui était apparenté à celui de leur maître. Donc la question est pourquoi, si c'est un mouvement galiléen, pourquoi s'établir à Jérusalem et si vite, si peu de temps après la crucifixion Je crois que c'est une des caractéristiques de la spéculation apocalyptique. Car la pensée apocalyptique est un état d'esprit, un genre de religiosité. Ce n'est pas une pensée universelle. Mais pour les Juifs qui la pratiquent, le seul endroit où peut s'établir le royaume de Dieu est évidemment Jérusalem. Je veux dire, le royaume de Dieu ne va pas s'établir en banlieue. Les disciples de Jésus, les membres de sa famille, sont tous galiléens, la région au nord d'Israël, à l'opposé de la Judée. Malgré les risques qu'ils encourent à Jérusalem, il semble que la majorité d'entre eux choisissent pourtant de s'y établir. S'ils si se sont installés à Jérusalem, c'est parce qu'ils attendaient là le retour de leur maître en fonction d'une attente liée plus précisément à Jérusalem. Donc, en fait, s'ils sont à Jérusalem, c'est qu'ils ont justement une attente imminente de la fin des temps et qu'ils veulent, veulent être présents pour accueillir le retour de Jésus. Donc dans la mesure où la pleine réalisation du royaume était d'ailleurs liée au retour de Jésus, euh, il est clair qu'il fallait faire quelque chose entre temps. Et euh, dans un premier temps, me semble-t-il, l'attente étant une attente à extrêmement court terme, eh bien, euh, la communauté a fait le choix d'une communauté des biens. C'est-à-dire, en quelque sorte, de dire, ben voilà, euh, nous allons d'ores et déjà réaliser ce qui sera euh, effectif dans le royaume pleinement, euh, pleinement concrétisé, à savoir euh, une vie de partage parfaite euh, et de fraternité euh, intégrale. Et euh, cette, ce choix, donc, me semble reflété par les récits euh, des actes. C'est un choix qui euh, apparaît euh, d'autant moins invraisemblable euh, que euh, nous savons qu'à euh, Qumran, la communauté euh, rassemblée au bord de la mer Morte, ou réunie au bord de la mer Morte, pratiquait la communauté des biens. Et le récit très curieux c'est euh, enfin très curieux, pittoresque, euh, euh, effrayant à bien des égards, euh, Dananias et Saphira qu'on trouve euh, en acte 5, qui euh, proclament qu'ils vont effectivement faire don de leurs biens à la communauté et qui de fait, tout en vendant euh, ces biens, décident d'en garder une partie par devers eux. Et euh, au moment où euh, ils apportent ce qu'ils, euh, disons-le, ce qui représentent normalement la totalité de leurs biens euh, à Pierre. Ils sont assez mal euh, accueillis, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque euh, Pierre leur répond euh, Ananias, euh, « Pourquoi euh, Satan a rempli euh, ton, ton cœur au point que tu euh, mentes euh, à l'Esprit Saint et que tu gardes par devers toi euh, une partie de la valeur du champ ?» Et puis, il, il est bien possible qu'on ait eu au sein de la communauté primitive de Jérusalem une sorte de règlement qui prévoyait une mise en commun progressive des biens, inspirée du modèle essénien, et que, en quelque sorte, eh bien, Ananias et Saphira aient triché ou aient voulu euh, d'emblée euh, brûler les étapes euh, tout en assurant leurs arrières le, le cas échéant. Nous ne savons pas si la première communauté était structurée. Ils ont pu croire que tout allait se passer si vite, mais peut-être pas. Dans les Actes des apôtres, on apprend que les biens étaient mis en commun et ce qui arrivait aux voyous qui en gardaient pour eux. Il y avait aussi des gens qui étaient pleins de respect pour la communauté mais ne la rejoignait pas. Donc il fallait un acte volontaire pour adhérer. Cela ne suffisait pas d'adhérer vaguement. On trouve cela dans les actes. Les apôtres ont fait de nombreux signes et miracles entre les gens. Un en le cœur, ils tous utilisé pour se dans le portico de Salomon. Personne d'autre d'autre peur de les rejoindre. Mais Comment peut-on dire nul n'osait se joindre à eux, et en même temps, des croyants de plus en plus nombreux Peut-être les gens avaient-ils peur de ce qui était arrivé à ceux qui avaient essayé d'entrer dans la communauté, mais qui avaient été tués parce qu'ils n'avaient pas joué le jeu, qui n'avaient pas donné la totalité de leurs biens. C'est comme dans le judaïsme de la même époque. D'un côté, il y avait des prosélytes et de l'autre, des craignants-dieux, des admirateurs, des sympathisants. La communauté faisait la différence entre ceux qui avaient la carte et ceux qui ne l'avaient pas. Mais comment cette communauté était-elle exactement organisée, nous ne le savons pas. Bon, à mon avis, les premières. Communautés chrétiennes sont des communautés très très strictes, très, très observantes, très peut-être relativement sectaires, qui ne semblent pas particulièrement différentes des communautés esséniennes. En tout cas, elles semblent fonctionner en vase clos avec des, des règles très strictes, une discipline très stricte. Et si on en croit les actes des apôtres, il euh, n'y a pas de raison de supposer qu'ils mentent. Euh, une communauté des biens, euh, des règles d'exclusion et, et euh, un désir de ne pas trop se mêler, en tout cas aux au non-juifs. Ça veut dire une communauté qui, comme nos communautés monastiques médiévales ou modernes, se reproduisent par des apports de, de conversion, de vocation nouvelle venant d'extérieur. De Et dans le début du livre des Actes des Apôtres, les Hellénistes protestent à propos de leurs veuves. Et c'est un mot très intéressant, les veuves, car les veuves sont des personnes qui sont exclues de la sexualité. Philippe ensuite va convertir un eunuque au chapitre 8. C'est aussi quelqu'un qui est exclu de la sexualité. Et au chapitre 21, on nous dira qu'il a quatre filles vierges. On ne nous le dit pas parce que les filles sont encore vierges, mais bien parce qu'elles ont choisi de le rester. Et donc on est bien chez quelqu'un qui, euh, qui représente une tendance à euh, renoncer à la sexualité, à tourner le dos à la, la vie sexuelle, donc la vie sexuelle qui veut dire la reproduction interne. On ne peut pas se reproduire, il n'y a pas de reproduction de possible, on, on est là euh, entre soi et on ne pourra se perpétuer qu'en faisant des adeptes en dehors du cercle familial. Bon. C'est probablement quelque chose qui est lié à cette euh, attente de la fin des temps, à savoir que ce n'est pas la peine de se marier, ce n'est pas la peine d'avoir des enfants, pas la peine puisque la fin des temps est proche. On attend tellement fort son retour, donc l'avènement du royaume, le fait que Dieu va être tout en tous, et que il va euh, réaliser euh, ce cette euh, parfaite euh, ce règne de dieu n'est ce pas que on, on cesse d'avoir des gosses qu'on cesse de travailler euh, que véritablement on, on, est, on est tendu vers cette, euh, cette annonce et le dernier, le dernier mot de la, du, du, des textes du nouveau testament c'est précisément cette prière, cette invocation en araméen qui est manifestement un écho de cette attente originelle Maranatha Seigneur mon maître ta, viens c'est pas en hébreu Maranatha, viens donc on attend le, euh, le retour et pendant longtemps, on va l'attendre et il va se, falloir se rendre compte que, eh bien, il faudra encore un certain temps. Et alors que les communautés primitives attendent ce retour, je ne suis pas sûr que les communautés actuelles sont aussi motivées. Sur cet article de leur credo, il reviendra juger les vivants et les morts. Et je ne sais pas si il y a beaucoup de prêtres qui, dans le contexte actuel réfléchisse et prie, et prêche sur cet article du credo. Manifestement, ça fait 2000 ans et euh, vraisemblablement, on n'est pas pressé de le voir arriver, alors que c'est quelque chose qui est essentiel à l'origine. Le retour du Seigneur ce qu'on appelle la parousie, c'est-à-dire la présence du Seigneur. Non seulement il est ressuscité, mais il doit revenir et il doit revenir bientôt. Or, son retour, c'est justement cette venue du règne de Dieu, des événements finaux et du jugement. Euh, c'est pas pour rien qu'une confession de foi ultérieure le fera juger les vivants et les morts, assis à la droite du Père. Alors, euh, il me semble qu'effectivement, l'attente de la, de la parousie, donc de la fin des temps, a été un phénomène extrêmement présent aux origines du mouvement chrétien. Euh, dans un premier temps, donc, l'Église primitive de Jérusalem semble attendre cette fin des temps euh, pour... Euh considère comme étant à portée de main et donc euh, peut même proposer un modèle transitoire d'organisation qui consiste en quelque sorte à une liquidation des affaires courantes dans l'attente de, de la fin des temps prochaines. Le problème, parce qu'il y a un problème, c'est qu'elle a certainement euh, abouti à une euh, faillite économique. À savoir que euh, dans la durée, et la durée n'a pas dû être très longue, en quelques années euh, ou quelques mois, enfin, je ne sais pas, en quelques euh, une ou deux dizaines de mois ou quelque chose comme ça, eh bien, euh, on a abouti à, une, à un réel problème sur le plan économique, à savoir qu'il euh, n'y avait euh, plus de moyens de vivre. Et un peu plus tard, d'ailleurs, on aura une collecte au profit de l'Église de primitive de Jérusalem qui pourrait exprimer justement les, les problèmes économiques qu'elle a connus. Et donc. Euh, ce modèle a dû être abandonné euh, peut-être parce que tout simplement, là encore, un démenti était apporté à l'attente de la communauté du fait du retard euh, de la fin des temps. Et à partir de là, la communauté de Jérusalem, qui jusque-là avait vécu, je dirais, comme une fraternité euh, extrêmement chaleureuse, certainement euh, de la communauté des biens, a été amenée à envisager un autre mode d'existence pour... Euh, assumer euh, dans la durée euh, le, le retard de ce qu'on appelle la parosie. Mais lorsque le royaume de Dieu n'arrive pas, on se pose deux questions. Euh, D'abord, euh, pourquoi il n'arrive pas Et euh, est-ce qu est que la raison, c'est qu'on ne se comporte pas comme il faut Est-ce qu'il n'arrive pas parce que notre doctrine ou nos pratiques sont erronées Donc, qui a raison Qu'est-ce qu'il faut faire et puis, euh, deuxièmement, euh, on est là pour la longue durée. Euh, il faut, euh, faut peut-être un petit peu systématiser les pratiques, euh, euh, organiser les églises, euh, trouver des systèmes de responsabilité, des systèmes hiérarchiques, euh, trouver certaines solidarités ou. Il y a aussi la notion pour toutes les sectes finalement qui, qui dans les médias ne voient pas leurs espérances réalisées, il y a la difficulté de durer. Donc, lorsqu'une une secte a prévu la fin des temps et que la, la fin des temps n'arrive pas, il y a deux possibilités, soit les sectes se dissolvent et abandonnent leurs espérances, ou alors elles se, elles... Elles se... Elles se solidifient, se... d'une façon ou d'une autre, elles trouvent les mécanismes de protection, les mécanismes d'autorité qui lui permettent de durer. Bon, on est encore très loin d'une organisation ferme. Des différents ministères comme on les trouvera euh, à la fin du premier siècle ou au début du second. Mais déjà, on, on fait la distinction entre les gens qui prêchent, entre les prophètes, entre les, les gens qui euh, organisent le, la vie administrative, je dirais, ou spirituelle, ceux qui prêchent, ceux qui renseignent, ceux qui euh, prophétisent. C'est un. Un premier stade d'organisation. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que... Des sociologues se sont penchés sur le phénomène et les sociologues qui se sont penchés sur le phénomène ont euh, montré que de fait, dans les mouvements qu'on appelle millénaristes, c'est-à-dire qui ont une attente euh, prochaine de la fin des temps, mais millénaristes est pris au sens large euh, en règle générale, et eh bien donc dans ces mouvements millénaristes, euh, on observe une loi euh, de l'histoire qui est euh, que le démenti apporté à l'attente du groupe catalyse souvent... Euh, son propre, euh, sa propre activité et ses, ses moyens d'ailleurs de pallier en quelque sorte ou de, ou de surmonter l'échec de son attente. La communauté des disciples de Jésus doit donc s'organiser, mais viennent en même temps les oppositions, les conflits, les premières querelles. Pour connaître les débuts du mouvement primitif, le livre des Actes des Apôtres est quasiment la seule documentation. Or, ce texte, écrit un demi-siècle après les événements qu'il évoque, exige une lecture extrêmement minutieuse. En ces jours-là, le terme nous laisse dans l'ignorance absolue de toute référence chronologique précise. Donc c'est une suture rédactionnelle, il y en a comme ça nombre dans les textes de cette époque. Le nombre des disciples augmentait, ça c'est un leitmotiv des premiers chapitres des actes des apôtres, c'est aussi rédactionnel. L'auteur des actes des apôtres, on dit que c'est Luc. Bon, ne discutons pas de euh, le, le, la personnalité de l'auteur. En tous les cas, il veut montrer que ceux qui se rattachent à Jésus de Nazareth sont de plus en plus nombreux. En tous les cas, ils grandissent. Les actes nous donnent des chiffres. 3000, 4000, ainsi de suite. Bon, on en reste là. Comme tous les chiffres de l'Antiquité, ce sont des nombres aussi réels que si j'envoie mon point dans la figure de quelqu'un, il voit 36 chandelles. C'est exactement de ce type-là. Donc le nombre des disciples, là encore, les aficionados de Jésus ceux que j'appellerais les fans de Jésus sont dénommés de façon très différente au point de départ tantôt ce sont les saints tantôt ce sont les partisans de la voix le terme euh, moi je l'aime bien les partisans de la voix tantôt euh, ce sont euh, les fidèles tantôt, ce sont les disciples. Bon, ici, ce sont les disciples. Aucune uniformité dans le vocabulaire. Mais arrive quelque chose qui est tout à fait intéressant et qui nous donne, malgré cette volonté d'une présentation iréniste, de l'ambiance de des premiers moments du moment des disciples de Jésus où on a l'impression que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil tout le monde s'entend tout le monde est unanime c'est à dire qu'il n'a qu'une âme qu'un seul esprit bref en bon français ça baigne. Eh bien, ça baigne peut-être beaucoup moins qu'il n'y apparaît. Et là, on se rend compte que... Là, nous avons une grosse difficulté. En ces jours-là, le nombre des disciples augmentait et les Hellénistes mirent à récriminer contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient oubliées dans le service quotidien. Alors, qu'est-ce que c'est que ces hellénistes et ces hébreux C'est des mots très importants, mais c'est des mots, hein, disons, un peu confidentiels quand même. Les hébreux, ça désigne le groupe des apôtres. Et l'idée que ce sont des hébreux, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont comme langue fondamentale l'araméen et l'hébreu, euh, va se retrouver chez Paul dans le fait qu'il donne au chef des hébreux, Pierre, son nom araméen, s'efface. Et les hellénistes, alors, ce sont d'autres personnes. Curieusement, je ne pense pas que les hellénistes soient uniquement des gens parlant grec, mais ils sont influencés par la culture grecque. Je pense qu'ils sont le christianisme qui va se développer en Égypte, mais aussi le christianisme qui va se développer dans la diaspora araméenne. Où on a un christianisme qui va jusqu'aux Indes et qui est assez apparenté au christianisme de, euh, disons, des hellénistes d'Égypte et un christianisme fondé sur les paroles de Jésus. Il est très important de voir que Jérusalem était à cette époque une cité judéo-hellénistique. Dans les ossuaires, 40% des inscriptions sur les 280 recensés à Jérusalem sont écrites en langue grecque. De nombreux exemples attestent que le grec était la langue maternelle de 15 à 20% de la population. Beaucoup de femmes, notamment, ne parlaient pas l'araméen. Il y avait différents groupes à Jérusalem qui aimaient mieux, pour pratiquer leur culte, se retrouver avec des juifs qui parlaient la même langue qu'eux. Donc les juifs, dont la langue maternelle était l'araméen, qui a des racines communes avec l'hébreu, ce sont eux les hébreux dans le livre des actes, se regroupaient et pratiquaient dans leur propre langue. Mais à cette époque, à Jérusalem, il y avait beaucoup de Juifs qui parlaient grec. Eux aussi pratiqués à domicile, se réunissaient à 20 ou 30 fidèles de Jésus et parlaient grec. Et il existait peut-être des tensions entre ces deux groupes. Cette division linguistique a créé deux cultes différents. Puisque beaucoup d'hellénistes ne parlaient pas araméen. Une grande partie venait de la diaspora. Ils souhaitaient s'installer à Jérusalem, dans la ville sainte, pour vivre près du temple, le lieu sacré où le Messie devait advenir. Comme ils ne pouvaient pas suivre le culte en araméen, il fallait donc le célébrer dans leur langue, ce qui entraîna la création de deux communautés religieuses distinctes. Il y a donc à Jérusalem, au sein de la communauté juive chrétienne, deux groupes. Mais le clivage culturel laisse dans l'ombre d'autres oppositions entre les Hébreux et les Hellénistes représentés par Étienne. Chapter 6 of the Acts of the Apostles. In these days, when the disciples were increasing in number, the Hellenists murmured against the Hebrews because their widows were neglected in the daily distribution. And the twelve summoned the body of the disciples and said, It's not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Therefore, brethren, pick out from among you seven men of good repute, full of the spirit and of wisdom, to whom we may appoint this duty, and we will devote ourselves to prayer. Et finalement, Étienne est choisi, ainsi qu'un prosélyte, c'est-à-dire un gentil converti au judaïsme qui s'appelait Nicolas. Qu'est-ce que cela signifie Ceci est une question très difficile. Histoire et apologie peuvent être à ce point confondus qu'il devient presque impossible de les démêler. Le choix des faits est en lui-même un problème. On ne peut pas tout raconter. Il est d'ailleurs très surprenant que Luc, l'harmonisateur, fasse le récit d'un conflit dans la communauté primitive à propos des veuves. Et là, le récit de Luc prend une drôle de tournure dans les actes des apôtres. Au chapitre 6, il raconte comment sept diacres ont été désignés pour distribuer l'argent et la nourriture aux veuves. Mais ça n'a apparemment pas très bien fonctionné. La communauté primitive n'est pas aussi harmonieuse que Luc veut la décrire. Dans la plus pure tradition de l'Ancien Testament, il en donne d'abord cette description idéale. Ils sont un corps et une âme et il n'y a pas de pauvres parmi eux. Mais il y a tout de même eu une sorte d'affrontement. Des murmures de mécontentement parmi les hélénistes contre les Hébreux. L'affaire a été réglée par la constitution d'un groupe d'entraide qui sera chargé de distribuer ce dont les hellénistes ont besoin. Alors ce que je crois que euh, l'auteur des Actes des Apôtres essaye de faire dans Acte 6 c'est effectivement de hiérarchiser deux mouvements qui ont existé parallèlement. Il les hiérarchise dans l'autorité et dans la géographie, c'est-à-dire qu'il projette effectivement à Jérusalem, dans des rapports de subordination à Jérusalem même, euh, une tension entre deux mouvements. Qui auront une importance assez considérable dans les premières années du christianisme, à savoir ce qu'on appelait les communautés judées, visiblement des gens restés fidèles au judaïsme et fidèles à la loi, et d'autre part des euh, juifs libéraux, hellénisés, connaissant la philosophie grecque, euh, imprégnés de philosophie grecque, donc aussi de tendances beaucoup plus universalistes et beaucoup plus internationalistes que le, le judaïsme. Des communautés euh, de Jérusalem. Et alors, Luc essaye de subordonner les deux l'une à l'autre, et donc d'avoir un mouvement unitaire constitué de deux réseaux qui, en fait, sont plutôt euh, centrifuges que euh, centripètes. Personnellement, je pense qu'il y avait deux communautés chrétiennes distinctes. Le chapitre 6, 7, les chapitres 6 à 8 des Actes. Ont tendance à dire qu'il y avait deux mouvements à l'intérieur de l'Église, mais je pense que c'était deux communautés différentes et que les sept étaient des leaders de la communauté des Hélénistes, comme les douze étaient les leaders de la communauté euh, pétrinienne ou de Jérusalem. Il y avait les hellénistes euh, donc euh, il y avait les douze, et puis il y avait la famille de Jésus. Et sans doute, euh, euh, ils collaboraient, peut-être ils se réunissaient de temps en temps, on n'en sait rien. Mais il ne s'agit pas d'accepter l'opinion de Luc sans esprit critique. Luc est passé maître, c'est un très bon narrateur, Luc, et il est passé maître dans la façon, au fond, de saisir une anecdote et de la livrer à ses lecteurs comme une anecdote signifiante. Alors, si vous me posez la question de savoir... Est-ce que la crise qui a marqué la communauté jérusalémite des origines s'est déroulée telle que Luc le raconte au chapitre 6, à savoir que c'est une crise qui intervient sur la question de la table Par là même, la trapeza, il faut vraisemblablement comprendre la distribution des secours matériels aux veuves. Les, les hellénistes estimaient que leurs veuves étaient prétéritées par rapport aux veuves des Hébreux, c'est-à-dire des Juifs chrétiens parlant hébreu, tandis qu'eux sont des Juifs chrétiens parlant grec. D'où leur nom, hébreu pour les uns, helléniste pour les autres. Alors, est-ce que c'est sur ce détail-là qu'a éclaté la crise euh, On a de fortes raisons d'en douter. Les raisons ont dû être certainement beaucoup plus profondes. On peut imaginer que la dispute... Qui est mentionné dans Acte 6 entre justement les chrétiens hellénistes et les chrétiens de langue euh, sémitique, ce que Luc appelle les Hébreux. Euh, cette tension a été une, une bataille féroce. Eh bien, Luc, pour que Luc la signale, donc il, il, il y avait quand même une, une sorte de puissance de la réalité historique qu'il ne pouvait pas éliminer. Mais il fait tout ce qu'il peut quand même pour que, par-delà la tension, y ait une harmonie. Parfois, je pense que les actes des apôtres sont comme un tableau impressionniste, comme un monnaie au musée d'Orsay, si vous voulez. Quand on est à bonne distance, c'est absolument magnifique. Mais quand on s'approche, il y a un coup de pinceau ici, un coup là et un coup là, et c'est moins fascinant. C'est pareil avec le livre des actes. Quand on lit entre les lignes et qu'on veut reconstruire la réalité cachée, c'est très difficile. Mais de loin, c'est une peinture magnifique de l'Église de Jérusalem, vivant dans l'harmonie sans dispute. Bien sûr, ce n'était pas du tout le cas. Le récit que Luc fait dans Acts 6 est un exercice extrêmement intéressant d'acrobatie. En effet, le point de départ, n'est-ce pas, c'est une répartition des tâches. Les apôtres n'ont pas le temps de s'occuper des veuves, des hellénistes, c'est pourquoi on nomme sept diacres qui seront chargés euh, de ce qu'on appellerait aujourd'hui la diaconie, c'est-à-dire le service des tables, c'est-à-dire le service social de l'Église. Or, la première personne qui apparaît dans le cercle des sept, qui sont donc des gens qui sont chargés de la tendance, comme aurait dit M. de Gaulle, euh, C'est ce, Étienne, euh, et alors Étienne apparaît comme une figure de prédication qui a un succès euh, visible et qui va être le premier martyr chrétien. Mais il va pas être martyr comme diacre, il va être martyr comme prédicateur de l'Évangile. Er Originaire des synagogues de la diaspora, Étienne apparaît comme un propagandiste chrétien qui défend ses convictions contre les membres de la communauté de Jérusalem. Évidemment, son discours suscite des résistances. Il est calomnié et accusé d'être un provocateur. certaines personnes débattre avec Stephen, de et qui membres de la synagogue And others from Cilicia and Asia. They found that they could not stand up against him because of his wisdom and the spirit that prompted what he said. So they procured some men to say, We heard him using blasphemous language against Moses and against God. Having turned the people against him as well as the elders and scribes, they took Stephen by surprise and arrested him and brought him before the Sanhedrin. There they put up false witnesses to say, This man is always making speeches against this holy place and the law. Denn wir haben gehört, er habe gesagt, dass Jesus von Nazareth diesen Ort niederreisen und die Sitten ändern, die Gesetze ändern, die uns Mose gegeben hat. C'est un Echo de l'accusation portée contre Jésus dans l'évangile de Marc, que Luc reprend ici. Apparemment, Étienne avait aussi critiqué le culte du Temple. Ceci est rapporté dans un ajout ultérieur particulièrement archaïque et un peu particulier. Je veux dire que Luc, qui d'ordinaire rédige lui-même les discours dans les actes des apôtres, a dû ici se baser sur d'autres éléments. Et à la fin, on trouve également cette critique envers le temple. Dieu n'habite pas une demeure faite de main d'homme. Oui, Luc, Luc signale euh, par le discours qu'il prête à Étienne au chapitre 7 qu'effectivement des reproches sont faits euh, à l'égard de ce chef de file du, du groupe helléniste et qui touche à la fois le rapport à la Torah et le rapport à la loi. Luc ne va pas le camoufler, mais au fond, il ne va pas déployer, euh, je dirais, les éléments du conflit. Maintenant, il faut lire entre les lignes pour identifier les tensions qui existaient. Mais en tant qu'historien, je suppose que ces tensions venaient des débats suscités par l'application de la loi de Moïse, essence même de la religion juive. Certains avaient une vision plus libérale, d'autres étaient plus prudents dans leur interprétation de la loi. La division théologique entre les Hellénistes et les Hébreux trace une ligne de faille dans la préhistoire du mouvement chrétien. À travers le martyr d'Étienne, qui selon les actes des apôtres serait mort lapidé, le groupe des Hellénistes cherche à s'accaparer la figure emblématique de Jésus. D'après les actes des apôtres, Étienne discute avec d'anciens juifs, ou avec des juifs plutôt, sur la, la, la loi et le temple. Alors, le temple, on peut discuter sur le temple, parce qu'il y a une tendance au début des actes à faire d'Étienne une sorte de, de picata de Jésus. Alors, comme Jésus était condamné à cause du temple, bon, on peut dire que c'est... Mais sur la loi, ça paraît plus délicat, parce que Jésus n'est pas tellement... n'est pas présenté comme discutant sur la loi. Et là, il n'est pas impossible que cet Étienne ait eu des vues progressiste, peut-être plus qu'il est mieux compris ce vues rénovatrice de Jésus, et que il ait été donc mis à mal par ses anciens co grecs euh, plutôt juifs, hénophones, mais restés juifs, et qu'il y ait eu une une sorte de cabale contre lui et la charge qui était transformé comme de bien entendu par un procès régulier parce qu'il fallait qu'Étienne soit comme Jésus qu'il soit condamné à un procès régulier mais c'était un lâchage, hein, à mon avis quand... Je pense que la vie publique générale aujourd'hui un inchage. et il, il meurt sous les pierres la mort d'Étienne est stylisée comme répétition de la passion de Jésus avec les deux paroles pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font dans tes mains je remets mon esprit donc on voit que pour l'auteur des Actes des Apôtres le martyre d'Étienne est la répétition de la passion ce qui de manière euh, en reconstruction après coup, fait apparaître la passion de Jésus comme en fait le premier martyr. N'est-ce pas le premier martyr est le martyr de Jésus, puis le martyr d'Étienne est le premier martyr chrétien, mais en fait euh, le deuxième martyr après la mort de Jésus. Donc nous avons toute une réflexion sur la condition des chrétiens qui se rattache à cette figure d'Étienne dont je pense qu'elle est en fait développée par la théologie euh, lucanienne, sur la base d'une légende, je veux dire par légende, je n'entends pas euh, quelque chose de nécessairement inventé, mais sur une euh, tradition euh, locale qu'on racontait peut-être. Et euh, l'auteur des actes, qui est expert dans l'art euh, de suggérer que euh, les événements euh, visent tout le monde, nous dit qu'au terme de cette... Euh, cette lapidation d'Étienne, qui est bien connue, eh bien, euh, il y eut une euh, grande euh, persécution euh, contre l'Église qui se trouvait à Jérusalem, et il ajoute même que tous furent dispersés euh, dans les villages, euh, dans, oui, de, de Judée et de Samarie, sauf les apôtres. C'est extraordinaire, puisqu'en fait, euh, on estime que ce sont les chefs qui devraient être les premiers à euh, pâtir de la situation. Eh bien, non, les apôtres ne sont pas touchés. Euh, lorsque euh, luc dit que à la suite euh, de, la, de la mort d'étienne euh, tous, tous les adeptes de la voie sont expulsés de jérusalem sauf les apôtres on voit bien, là encore, comment cela répond à l'image que Luc veut donner euh, de, la, de la naissance du christianisme. Euh, les apôtres constituent ce, 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 ce lien permanent, assure cette pérennité de la présence du témoignage du Jésus à Jérusalem. Euh, on peut penser très raisonnablement que, en fait, ce sont les judéo-chrétiens... Attachés à la Torah et attachés au temple, euh, qui reste à Jérusalem tout simplement parce qu'il n'y avait strictement aucune raison de les inquiéter. Par contre, les trublions hellénistes, euh, eux, sont, sont évacués. Est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce qu'on peut aller plus loin à penser que euh, les, les judéo-chrétiens, que j'appellerais conservateurs, Attachés aux marqueurs identitaire de la foi juive, euh, n'étaient pas mécontents de voir euh, disparaître euh, de Jérusalem ceux qui euh, compliquaient et troublaient leur relation avec le, le judaïsme. Euh, on peut le penser. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que par la suite, c'est-à-dire dans le champ de la mission paulinienne, euh, de plus en plus. Les, les, la synagogue a marqué sa distance par rapport au groupe chrétien, euh, ne voulant pas que les chrétiens soient assimilés aux juifs et notamment au statut d'exception dont bénéficiaient les juifs dans l'Empire, l'exception de la religio liquita et qu'on euh, peut parfaitement penser qu'il y a eu là des phénomènes de, de dénonciation de la synagogue désirant jouir de cette, euh, cet arrangement, euh, ce, ce statut qui lui permettait d'entretenir, en tout cas officiellement, des relations paisibles avec euh, l'appareil politique de l'Empire. On peut donc penser qu'effectivement, le départ des hellénistes a pu euh, apaiser en tout cas une situation dont le trouble déplaisait aux judéo-chrétiens euh, attachés à la Torah. De toute évidence, une persécution contre l'Église de Jérusalem ne pouvait être déchaînée que par la caste sacerdotale et les pharisiens, c'est-à-dire bel et bien par l'élément judaïque. On est en présence d'une persécution antichrétienne déclenchée par les Juifs de Jérusalem. L'église qui se trouvait à Jérusalem, la communauté primitive, subit cette première grande persécution. Et puis il est dit tous se dispersèrent dans les campagnes de la Judée et de la Samarie. Alors, les anciens partisans d'Étienne, pas chrétiens, mais de la même bande, si je peux dire, pris de peur devant cette exécution de leur leader, qui était un, en même temps un beau parleur, soit, se, se sont échappés. Ils sont partis en Tioche, et c'est d'après les actes, nous parle pas autre chose, ce serait eux qui seraient les premiers à avoir évangélisé les païens. Alors nous, nous avons là-dedans, un ah nom, c'est celui de Philippe, soit, qui évangélise les samaritains, mais le, le, la notice des actes est quand même intéressante. Euh, comme quoi ces fugitifs hein, de Jérusalem auraient euh, posé les, les bases d'une évangélisation ou d'une christianisation des premiers païens, lesquels ont pu être recrutés d'ailleurs parmi ces fameux craignants en Dieu, qui étaient des païens, mais fréquentant les synagogues un peu judaïsées, euh, c'était plus facile pour eux d'atteindre que de purs, païens, de purs païens. Et à partir de là, ils vont pratiquer une mission qui ne sera plus centripète, mais centrifuge a amené à quitter Jérusalem, ils vont annoncer le message ailleurs et euh, dès lors euh, on assiste à un, un changement déjà dans la euh, disons... Dans le déroulement des événements, et ce changement va être d'autant plus net que ces gens qui souvent étaient des prosélytes, c'est-à-dire des païens qui avaient accédé, euh, enfin, qui, étaient, qui étaient devenus juifs, vont s'adresser dans bien des cas euh, à euh, des païens assez rapidement. Et donc, on va avoir une mission qui va s'étendre et qui va dépasser le seul cadre euh, du judaïsme. Chassé de Jérusalem. Les hellénistes ont fui vers des régions où le judaïsme n'était pas pratiqué. Ils ont fait œuvre de missionnaires. C'est comme si on ouvrait une tumeur et que les métastases prolifèrent. C'est une bonne comparaison. Ce sont les hellénistes qui veulent porter l'Évangile aux païens. Ce sont les hellénistes qui veulent abolir le Temple et la loi. Et sur ces trois points, L'affrontement est inévitable entre la communauté des hellénistes et celle de Jacques et disons des traditionalistes, c'est-à-dire des apôtres liés à la tradition juive. Si nous ne prenons pas en compte cette fracture terrible, terrible quant à ses conséquences dévastatrices, nous ne pourrons jamais comprendre ni les épîtres de Paul, ni le récit si harmonisateur de Luc dans les Actes des apôtres. Les hellénistes, non seulement n'ont jamais été réintégrés, jamais, mais aussi du fait de leur esprit de révolte, ils ont même fini par se radicaliser toujours davantage contre Jérusalem et contre le judaïsme. Après les années 49-50, c'est-à-dire après le Concile de Jérusalem, les deux chemins se sont définitivement séparés et ils ne se croiseront plus. Selon les actes des apôtres, un nouveau personnage apparaît au moment de la mort d'Étienne, Paul. Un Paul encore jeune homme qui approuve ce meurtre et qui poursuit alors les partisans de Jésus de son zèle pour la loi.